Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que votre week-end s'est bien passé, que vous vous êtes bien reposé et surtout que vous en avez bien profité. Alors pour bien débuter donc cette semaine, je vais vous présenter aujourd'hui une petite revue Gobots DX ou Super Gobots. Donc à savoir une petite gamme assez particulière dans cette dans cet univers DX euh, puisque voilà cette gamme avait pour particularité donc de ne pas posséder de visage à proprement parler en mode robot, mais plutôt donc il s'agissait en fait du du cockpit, de l'habitacle en lui-même donc qui formait le visage euh, d'où ce, ce ce surnom qu'on leur donnait donc dans les années 80 à savoir Tête de cockpit, tête, euh, euh, tête de, de vitre, tête de pare-brise, enfin bref, euh, voilà, les, les, les dénominations ont été quand même assez, assez nombreuses. Donc voilà, assez atypique, mais bon, néanmoins, très très intéressante. Voilà, donc je vais vous présenter aujourd'hui le petit Stex, voilà, petit, euh, petit camion euh, semi-remorque routier. Et c'est parti Ah ouais Tu veux dire, euh, peut-être euh, un peu comme mon armure euh... Oui, c'est ça. Ok Waouh C'est... C'est flippant quand même Bon bah, je te laisse présenter ça, hein Je te donnerai mes impressions tout à l'heure Allez, tous ces mecs, à tout à l'heure De pare-brise Oh, voilà qui est très très curieux Bon bah, on va monter ça Allez, à tout à l'heure le mec <tousse> Et voici pour commencer donc un petit 360 de notre gardien Stex dans son mode véhicule, inspiré donc d'un semi-remorque des années 70, extrêmement bien réalisé en mode véhicule, absolument rien à redire dessus, voilà, qui était distribué donc en France par Bandai et aux USA par Tonka, à savoir donc qu'il existe dans, dans plusieurs versions différentes. Euh, le, la version la plus importante étant donc avec l'ajout de la remorque. Et elle existait aussi donc sans, sans cette remorque. Moi, je vous présente donc mon édition sans remorque. La remorque était en fait euh, un petit peu comme Ultramanus, on va dire, des Transformers. Donc euh, une remorque donc, qui permettait de transporter plusieurs véhicules euh, Gobots donc de taille standard. Voilà. Moi, je n'ai pas la remorque, mais bon, voilà. L'essentiel est là. Le le, le le camion est vraiment de toute beauté. Donc il existait également donc dans plusieurs versions. Euh, à savoir avec des, des pneus des pieds pardon je vais y arriver des pieds bleus et l'arrière en bleu et moi donc je l'ai euh, avec les pieds noirs et l'arrière en noir et également donc avec euh, les vitres le pare-brise en bleuté puisqu'il existait également donc avec le pare-brise classique voilà un petit peu donc pour ce petit tour du propriétaire et attardons-nous tout de suite donc sur les petits détails petits entre guillemets puisque quand même ils sont assez nombreux pour un, un véhicule de, de, de cette taille-là plutôt très très sympathique donc nous avons tout d'abord les petites moulures au dessus donc représentant les lumières et euh, les sirènes le klaxon donc euh, du camion l'intérieur donc est très joliment représenté donc tout en métal euh, chromé un petit habitacle intérieur euh, bien voilà bien et bien pourvu bien bien fichu avec les, le pare-brise avant et les vitres latérales comme je vous le disais donc en bleu translucide du plus bel effet des petits stickers voilà jaune sur le dessus et les parties latérales avant du véhicule la grille est par choc ainsi que les feux sont en plastique chromé bon le mien a un petit peu souffert avec l'âge hein. je pense que je, je ferai un, un petit custom à l'occasion hein, grâce au, au feutre molotov. voilà un petit peu donc pour ce camion deux côté voilà même chose plutôt plutôt très très sympa seule chose que je reproche par contre par rapport aux autres dx de, 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 de cette gamme c'est que celui ci n'a pas des pneus en gomme hein. ce sont des pneus en plastique dur bon c'est un petit peu dommage euh, nous avons aussi ici juste ici hein, de superbes chromes au niveau des citernes, les cheminées également. Alors la mienne est un petit peu blanchie mais les cheminées qui sont donc également euh, en chrome à la base, à savoir que la version US donc proposait des cheminées euh, raccourcies. Là, voilà, on n'avait pas cet embout euh, aussi long. Euh, donc comme je vous le disais, il existait avec l'arrière donc en noir, en bleu et en gris aussi si je ne dis pas de bêtises. Bon le mien par contre a fait un petit peu la guerre, hein. on voit qu'il manque voilà, il manque, il manque une une roue arrière. Vue de dos, voilà ce que ça donne, là encore avec des, des petits détails pas trop mal foutus. Hein, Vue de côté, de dessus et de dessous au niveau de l'undercarriage. Et on remarque bien donc le tampon Bandai 1985. Voilà un petit peu, et on aperçoit donc les pieds tout en euh, métal véritable, extrêmement robuste. Le véhicule roule très très bien, même s'il grince un petit peu. Bref, le mode véhicule ne manque ni de charme ni d'atout. Petit comparatif à présent. Auprès de notre leader des Autobots, Optimus Prime, puisque voilà, lui aussi est un camion. Voilà, on peut se rendre compte un petit peu de la différence d'échelle et de travail. En, en, en termes d'esthétique, hein, ils sont vraiment tous les deux très très bien, euh, très, très bien travaillés. Rien à dire là-dessus, peut-être un petit peu plus de détails. Euh, sur Optimus mais ça je joue vraiment pas à, à grand chose puisque ce que Optimus gagne sur les petits détails voilà des boulons sur les côtés Stax lui de son côté le gagne au niveau donc de cette partie arrière hein, vous voyez qu'on qu qu est tout de suite bien plus voilà bien mieux fini que, euh, que le Optimus en termes de poids là aussi il y a une très grosse différence alors pourtant le Optimus hein, comporte des parties euh, en métal donc comme euh, les pieds et l'avant de la cabine mais en termes de poids donc c'est quand même pour moi euh, le diaclone qui va le diaclone pardon le le gobos qui va le, qui va l'emporter ça joue pas grand-chose mais voilà le 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 gobos est quand même un peu plus lourd donc voilà une preuve aussi de, 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 de qualité des matériaux que qu'avait qu choisi Bandai pour l'époque et Dernier petit comparatif, donc, aux côtés d'autres euh, Super Gobots DX de type euh, tête de pare-brise, on va dire. Donc, euh, la Porsche 928 friend et la petite euh, coccinelle, donc, euh, Bug Bite, ou Bug Beat, comme vous préférez. Voilà un petit peu, donc, pour ce petit comparatif. Et alors, là, on remarque tout de suite hein, que sur ces véhicules-là, donc, les pneus étaient, euh, voilà, étaient euh, un peu plus souples que cette version-là. Donc version aussi que l'on voit euh, voilà pour ceux qui ne le savent pas non pas dans le défi des Gobots même si je me demande s'il n'apparaît pas quand même mais qui est plutôt présent donc dans la dans la série Le Challenge des Gobots. Concernant la transformation à présent, alors cette dernière est voilà dans la logique des gammes Gobots, c'est-à-dire extrêmement simple, intuitif, pas prise de tête pour un sou donc euh, on pouvait passer très très facilement et surtout très rapidement. Euh, D'un mode euh, à un autre. Donc ça, c'était aussi très très plaisant, surtout quand on jouait avec euh, les copains. On ne pas une heure à transformer, à faire attention de rien casser. Voilà. Petite chose par contre qui le distingue de la plupart des, des, des gobos DX. Je ne dis pas tous, mais quand même pour une généralité, c'est que voilà, on a les deux cheminées donc qui se déclipsent. Voilà, donc petites euh, pièces euh, qui sont qui ne sont généralement pas présentes hein, dans les dans les qu'on trouve, dans le stax qu'on trouve. Souvent c'est voilà, il manque il manque les deux petites cheminées. Donc ces deux petites cheminées euh, qui ont pour particularité donc de former les armes de Stax. Voilà. Donc concernant la transformation à présent, donc vous allez tout d'abord venir prendre ce qui va venir former les jambes, les rabattre, les loquer. Vous les écarter l'une de l'autre. Vous remontez les pieds. Voilà, déjà, donc pour cette partie-là. Ensuite, vous allez prendre les roues arrière, les rabattre à l'intérieur comme ceci, de façon à venir placer ce qui va former le backpack. Backpack, alors je prends un petit peu de hauteur, qui quant à lui, donc, n'est pas trop imposant. Euh, bien, bien proportionné. Donc, ça, c'est quand même assez cool. Ensuite, donc, vous allez prendre ces parties-là les positionner ainsi, faire une petite rotation, et vous les déclipser via les deux petits ergots qui se trouvent au niveau des épaules, de, fa de façon à former les bras. et pour finir, vous n'avez plus qu'à lever. voilà cette partie là de la cabine. et puis, donc, la rabattre, la soulever, la reculer légèrement, la mettre en place. et voilà, donc, nous avons notre stex de transformer plus qu'à lui rajouter, à présent, ses petits pan Voilà, et voilà, notre gardien prêt à aller se friter avec les Renégats, notre petite tête de cabine. Et petit 360 à présent, donc, de notre gardien Stex dans son mode, euh, dans son mode bot, voilà assez original, très très simpliste pourront trouver donc la plupart des jeunes générations d'aujourd'hui. C'était déjà le cas, je vous rassure, à l'époque hein. par rapport à un Transformers, on avait quelque chose de quand même très très simplifié. Mais bon, je rappelle que ce sont deux univers et deux gammes quand même complètement euh, différentes. Mais voilà, donc c'est quand même un jouet qui avait euh, qui avait son charme. Euh, le poids aussi se justifie dans le sens par rapport à Optimus Prime, c'est que euh, les jambes sont en, en métal euh, métal plein. Euh, très peu de jours, donc voilà ce qui, ce qui accentue aussi, euh, accentue aussi pardon son poids, mais voilà au niveau des définitions, des, des ça reste quand même un personnage bon qui fait en effet très vintage, mais qui ne manque pas de charme hein, avec le petit voilà le petit chest juste ici tout en chrome et comme je vous le disais donc plutôt pas trop mal proportionné. Concernant les articulations, là encore elles sont assez basiques. Nous pouvons donc éventuellement voilà reculer et avancer. La cabine, voir pourquoi pas éventuellement donc la pencher un petit peu. Nous avons une rotation intégrale des bras, voilà, dans un sens et dans un autre. Et oui, ça grâce un petit peu. Ces parties juste ici permettent de pouvoir lever légèrement le bras pour une semi pause d'ov. Mais voilà, ça, c ça ne restera pas en place. Hein. Voilà, ça va tout de suite se, se remettre, voilà, retomber comme ceci. Nous avons donc de par la transformation les coudes, voilà, que l'on peut euh, replier donc avec une articulation à plus de 90 degrés donc ça c'est quand même assez sympa euh, et nous avons les jambes donc que nous pouvons voilà avancer euh, reculer du moins et c'est à peu près tout les pieds aussi que l'on peut lever et baisser voilà un petit peu plus d'articulation que, que certains GoBots, oups là, mais euh, mais voilà donc ça fait son job et c'était amplement suffisant pour nous et surtout donc comme je vous l'ai déjà expliqué précédemment c'est qu'on pouvait voilà les, les, les choquer les uns les autres pour les bastons euh, on n'avait pas trop peur qu'ils se cassent contrairement aux Transformers. Petit comparatif à présent de notre Stex, aux côtés donc d'Optimus Prime, voilà donc en termes de véhicule en termes de de robots pardon euh, évidemment donc le Optimus Prime et, et juste superbe pour l'époque. Euh, le styx est quand même un peu plus quelconque. Euh, ce qui pêche surtout, donc voilà, c'est le fait qu'il n'ait pas de, de tête à proprement parler, puisque la tête c'est la cabine. Alors on pouvait s'imaginer à l'époque, enfin moi c'était mon cas, que voilà des humains pouvaient prendre le, le, les commandes euh, du robot. Donc voilà petit petit ajout supplémentaire. Et puis donc ces deux vitres avant euh, peuvent aussi donner l'illusion d'avoir deux énormes deux, deux énormes yeux. Euh, voilà un petit peu donc pour les, euh, les comparatifs donc de ces voilà de ces deux personnages et véhicules juste cultissimes. et petite photo de famille donc pour conclure aux côtés donc euh, de leader voilà que je vous ai présenté donc précédemment et d'une autre euh, tête de cabine par brise euh, ce que vous voulez donc le fameux Zimon mais pour celui ci donc c'est une autre histoire je vous en présenterai bien évidemment d'autres par la suite voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour, donc consacrée au plutôt très sympathique euh, Gobo DX Steaks ou Super Gobots. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis pour les uns de découvrir cette figurine juste culte, même si elle est aujourd'hui un petit peu kitsch. Pour les plus anciens, bien évidemment, de redécouvrir cette figure, cette figurine d'une collection, elle aussi donc emblématique de notre enfance. Voilà. Euh, que dire de plus Bah n'hésitez pas comme toujours à laisser euh, vos petits posts, vos petits commentaires, vos suggestions. Euh, ça fait toujours bien plaisir. Euh, n'hésitez pas donc également à me laisser vos petits pouces bleus qui là encore me font toujours très très plaisir, immensément plaisir même, et comme vous le savez, voilà, c'est un peu pour moi comme une, une récompense pour mon travail, pour me, me faire comprendre que voilà, j'ai fait quelque chose qui vous a plu. Euh, je vous retrouve donc euh, très bientôt. Pour de nouvelles aventures Transformers. Donc, si tout va bien, notamment euh, un double unboxing. Mais bon, ça, c'est pas encore sûr. On va voir par rapport à, à la poste et à l'acheminement également, donc, euh, de ces derniers. Et puis, bon bah, quoi qu'il en soit, de toute façon, on se retrouve très vite. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, plein de courage, euh, accrochez-vous, euh, plein de bonnes choses. Je vous embrasse très fort et sachez que quoi qu'il en soit, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, chus Euh... Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle. Euh, euh... Soit dit au passage, moi non plus. Shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly?